Salut! Bon, déjà, bonne année, j'espère que vous avez passé un agréable réveillon, moi pour ma part, oui. Donc, j'espère qu'en tout cas, cette année sur YouTube se passera encore mieux. Je dis pas que l'année précédente s'est très mal passée, non, c'est pas, je veux pas dire ça. Mais voilà, je veux que voilà, cette année se passe encore mieux, qu'il y ait plus de vues, et etc, etc. Et tout ça, c'est grâce à vous. J'ai reçu récemment un drone de la marque DJI, le Mavic Pro, juste ici. C'est un drone très petit et très compact, et c'est pour ça que je l'ai acheté. On peut le ranger partout à condition qu'il soit très bien protégé. Pourquoi? Parce que même si ce drone c'est de la très bonne qualité, c'est du plastique très très dur, les moteurs c'est de la qualité aussi, la caméra aussi, il y a un minimum de fragilité parce qu'il se plie et se déplie, donc il faut bien le protéger. Donc moi je vous conseille voilà, d'acheter des petits suppléments sur internet, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout sur le site DJI, vous achetez aussi sur des, voilà, des autres vendeurs qui font ça, ça coûte moins cher et c'est de la même qualité. Voilà, par exemple, pour les hélices, vous avez des petits clips qui permettent voilà, de clipser les hélices ensemble pour plus qu'elles bougent. Ici, vous pouvez aussi acheter des suppléments pour, voilà, pour protéger la coquille. Il y a vraiment de tout. Ici, vous pouvez acheter aussi un bandeau pour voilà, complètement fermer le drone pour pas qu'il se déplie dans le sac, par exemple. Il y a de tout et de tout sur Internet. Donc, franchement, si vous voulez bien le protéger, Google est votre ami. Attention, ce drone n'est pas un jouet. C'est un drone qui est fait que pour de la vidéo. Donc, si vous voulez un de mes conseils, voilà, si c'est la première fois que vous voulez acheter un drone, n'achetez pas celui-là directement. Achetez un drone comme le Takara Wedge Bridge que je vous avais présenté en début d'année. Même s'il ne tient pas longtemps sur ses batteries, c'est pour ça que je n'ai pas fait la vidéo de test. Je ne voulais pas racheter des batteries. Donc voilà, si vous voulez vous entraîner à apprendre à voilà, manipuler un drone, achetez le Takara Wedge Bridge de 125, je crois que c'est celui-là. Et entraînez-vous. Et une fois que vous vous sentez prêt, vous pouvez acheter ce drone-là et vous verrez que voilà, si vous avez un accident avec le Wedge Bridge, ça vous coûtera moins cher que un DJI Mavic Pro pour les réparations. Passons aux principales caractéristiques techniques. Pour commencer, ce drone a une portée de 7 km. Donc 7 km pas partout. Pourquoi? Parce que si vous avez des terrains avec des collines, des arbres partout, des forêts, voilà tout ça, ce drone, les 7 km, il ne les aura pas entièrement. Vous aurez à peu près, allez, je dis une bêtise, mais 3-4 km. Mais les 7 km, il faut vraiment avoir un terrain plat et pas avoir d'arbres, pas avoir, voilà, rien, un désert total. Et là, les 7 km, vous les aurez. Parce que moi, voilà, j'ai essayé, j'habite à la campagne, les 7 km, je peux pas les avoir parce que, voilà, j'ai des collines, j'ai des arbres et ça ne marche pas. 27 minutes d'autonomie annoncée, je confirme, ça tient bien 27 minutes, voire un petit peu plus avec moi. Bon, je tire pas trop sur le drone. Après, si on passe en mode sport, là, c'est différent. Pourquoi? Parce que là, on va tirer sur les batteries. Parce qu'on va rouler, enfin on va piloter plus vite, donc les moteurs vont forcer, tout le système va forcer et donc ça va tirer beaucoup plus vite sur la batterie. Donc en mode sport, moi je dis que je tiens à environ 18 voire 19 minutes, c'est quand même correct. On tient quand même très longtemps en vol, même en mode sport ou en mode normal. Voilà, sinon au niveau autonomie, j'en suis très content. C'est pas obligé, mais si vous avez un smartphone ou une tablette, ou voilà, un smartphone Android ou une tablette iOS par exemple, ou voilà, pareil pour les smartphones, vous avez l'application DJI Go ou DJI Go 4 pour ce Mavic Pro qui est disponible avec. Donc, à quoi ça sert? Donc, vous avez plus de fonctionnalités sur l'application, vous avez plein de modes, et ensuite vous avez un retour visuel en direct, donc vous voyez tout ce que vous filmez ou tout ce que vous survolez en direct sur votre écran. C'est pas mal, moi je m'en sers souvent, ça me permet voilà, que quand je vais loin, quand je vois plus de drone, savoir voilà, ce que je fais, parce que une fois que voilà, vous dépassez 1 km, vous voyez plus trop le drone, donc vous savez plus si vous êtes comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça, et c'est un petit peu difficile de voler. Mais voilà, sinon, installer l'application DJI Go 4, voilà, choper un point 4G et ensuite vous aurez un vol parfait. Donc voilà, je vous ai dit vraiment les caractéristiques principales, il n'y a pas grand chose, mais on verra les autres caractéristiques parce que voilà, il y en a plein d'autres. Mais ça sera sur ma vidéo de test parce que le reste des caractéristiques techniques, c'est voilà, tout ce qui est mode, tout le reste, vous allez voir sur ma vidéo de test, il y a pas mal de choses, donc je ne vais pas tout dire dans cette vidéo, sinon ça va être trop long. Sinon, passons côté photo et vidéo. Donc pour commencer, ce capteur ici, comment ça s'appelle? C'est marqué sur mon texte. Bon, c'est en fait une caméra. Mais voilà, la caméra est fixée sur trois axes. Donc c'est voilà, une caméra voilà, qui est très bien stabilisée. Il n'y a vraiment rien à dire sur la stabilisation. Vous verrez sur mes vidéos de test. Pour ce qui est voilà, la résolution ici du capteur, donc on a un capteur qui fait 12 mégapixels. Pour ce qui est qualité, on a de la vraie 4K. Donc on a de la 4096 par la 2160 pixels. Donc voilà, niveau vidéo, on est vraiment d'une vidéo excellente. On peut retoucher bien sûr dans les réglages, mais la vidéo est vraiment parfaite, j'ai rien à dire sur ça. Et pour finir, sur la côté photo, on a aussi une photo d'une très belle qualité. On a 4000 pixels par 3000 pixels.
et même sur la vidéo, même sur la photo, pardon, vous avez des photos mais vraiment excellentes. J'en ai fait avec plein d'amis à moi pour le réveillon. On a fait des super photos, je les ai retouchées sur Photoshop, c'est vraiment top. Côté prix, plusieurs prix annoncés. Donc pour le pack normal, donc ce que j'ai acheté moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là parce que moi je l'ai payé au Black Friday. Donc j'ai touché le drone 1039€ avec une batterie en plus. Mais le prix normal de ce drone maintenant, il est à 1200€. Donc c'est-à-dire que vous avez une batterie, une télécommande, des hélices de rechange et le reste et voilà. Donc ça c'est le pack normal. Et ensuite vous avez le pack combo qui vaut 1500€. C'est pas le même prix, là vous avez deux batteries. Vous avez le hub de chargement, donc c'est-à-dire que vous pouvez charger les deux batteries en même temps. Bon, il y a plein d'autres choses, je ne vais pas tout vous citer parce que je sais pas exactement tout ce qu'il y a. Mais voilà, le pack combo, il y a plus de choses dans la boîte. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dans le pack combo exactement, parce que voilà, j'ai pas tout en tête, vous avez un lien dans la description de la vidéo, vraiment pour voir voilà, ce qu'il y a dans le pack normal et dans le pack combo exactement, et combien ça vaut, et aussi si vous voulez le commander sur le site officiel chez DJI ou sur Amazon. Donc mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Si ce drone voilà, vous donne vraiment envie d'en acheter un, tout ça, réfléchissez bien avant. Pilotez un drone voilà, d'une plus basse qualité avant d'acheter celui-là. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne a priori. Faites ça. Achetez un drone voilà, d'une valeur de 100€. Entraînez-vous avec celui-là. Et une fois que vous sachez bien le piloter, achetez ce drone-là. Et comme ça, vous serez très bien satisfait. Parce que si vous achetez celui-là directement et que vous crachez, là, vous êtes vraiment déjà très deg. Et les réparations vont vous coûter très cher si vous souhaitez le réparer. Mais voilà, je tiens à vous préciser pour ça. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, j'ai plus sur Turfu Vidéo. Salut !